à tous, c'est Kevlar830. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur Resident Evil 6. Yeah! Oui, donc, Evans. C'est ça. Ouh. Oh, je pète les boutons. L'alcool, c'est mal. Faut pas boire. Oh. Oh shit. Oh, mais. Il y a un secret ici. Il y a un symbole machin. Non, il y a plein de caisses. Ah non, c'est bien. Oui, plein de points d'habilité, super. Ouais, putain, plein de munitions. T'as eu des balles? J'ai eu pas mal de balles de 9 mm. Putain, mais moi que dalle quoi. Eh oui, il faut être sage pour avoir des récompenses. J'ai un chargeur et demi de mitraillette et 3 chargeurs de pistolet quoi. Ben voilà. Je pense que c'est largement suffisant. Si tu vises tout, si tu vises bien. Oh! Mouche araignée du con là. Bien joué Kevlar. Mais c'est surtout les... en plus les yeux rouges et, les... et la forme, tu vois, de loin, tu sais pas ce que c'est, tu sais. Enfin tu sais ce que c'est mais tu veux pas savoir, tu vois. C'est... Putain mais Ada Wong la pute quand même quoi. La meuf elle marche sans. Par contre il y a un homme mouche là je crois. Bah ben non. Un homme mouche au pluriel, tu vois. Et pas un homme mouche au singulier. Ah oui, comme. Wow, comme notre soldat là, de tout à l'heure. Non, ça marche pas. J'ai pas l'air d'apprécier. Où est-ce que je vais là? Ça a même l'air d'être une femme. Une femme, oui, c'est vrai ça. Oh, on aurait dit des boobs. Des boobs. J'irai quand même pas à la toucher celle-là. Désolé, mais. Déjà, est-ce qu'on pourrait? What the fuck, quoi? Youhou! Putain! Hé! Hey. Shana! C'est presque juif comme. Hein. Ouais, c'est ça. Hanouka! Ah, des munitions. J'ai même plus de place pour reprendre. Eh, pardon, c'est vrai que tu préfères la gauche. Ça ne dit rien. Ah bah, ce qui est sorti de sa tête là. Cette vieille larve quoi. Okay. Ah non, c'est bien bien dégueu ce qui leur sort du crâne là quand ils décèdent. Pourquoi cette alarme qui s'emballe? Oui, 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 oui. Elle est rapide, non? Il marche. Mais lol quoi. Oh, c'est quoi ce monde? C'était très la gonade. Qu'est-ce que je disais? Moi, perso, je drop plein de munitions de 9 mm et du fusil à pompe maintenant. Vu qu'on est en close quarter. Ouais, fusil à pompe un peu okay, plus. Ok, je vais m'occuper d'eux. Qui a dit ça? Qui a dit ok, je vais m'occuper d'eux. Ah, les araignées, les araignées, les araignées, les araignées, les araignées, les araignées, ça, Kev. Con, les araignées non, qui arrivent dans Kev le truc, là. Putain de connard, ils sont au plafond, ces fils de pute. Ah, ah, putain, ils ont le cimo. Non, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Je me casse, rentre chez moi. Kev, non, tu t'es trompé, c'est pas la bonne échelle. Tu peux au moins les m'aider à les tuer, non? Ah bah non, je suis déjà monté moi, trop tard monsieur. C'est vraiment un connard. Voilà, je les flash, je les flash. Mais t'es où? Il faut aller où? Faut aller où? Ah. Allez, allez, allez. Mais c'est connard quoi. Allez viens. Genre, toi t'as peur des serpents et tout. Attends, il y a un truc dans le feu. Toi t'as peur des serpents, prochaine fois je te laisse tout seul hein. Connard. Quand y en a un. Bah ça, ça va, les araignées. Les entends, ils marchent encore, ils marchent. Genre c'est pas les griffes-pères de... griffes-pierre ou griffes... enfin les araignées de Skyrim quoi. Boum.
bitch. Alors, il va falloir que je jette quelque chose, mais quoi? La même. Bon, les trois. Attends, je dois pas recharger quelque chose, non? Et non, pas ça. Bon, bah, les trois balles de snipe, ça je. Bon bah ça devrait être pas mal. Tu le sens la scène de boss là qui arrive avec les petits coups qu'on nous donne avant. TG traître. Mais c'est pas la même. Vous n'en avez pas encore assez, hein. Même après avoir perdu tous vos hommes. Attention. Une fois de plus. Elle a un pistolet à fléchette. Vos états de service, je dois dire que je n'aimerais pas être dans votre unité. Ne l'écoutez pas, capitaine. Mais où sont mes bonnes manières? Qu'est-ce que t'attends pour tirer? Je devrais remercier vos hommes pour avoir été d'aussi bons combats. Oh, bien joué, Chris. Ça, c'est propre. Ah, la conne. Tu t'y attendais pas, hein, putain, Yova. Je n'attends qu'une chose, votre mort. Il ne s'agit pas de vengeance, de justice. Et là, elle va sortir de même pistolet de nulle part, elle nous met dans la gueule. Une grenade. Eh oui, c'est fini. Le porte-avions va tirer d'une seconde à l'autre. Ah, je savais. Les morts envahiront les rues. Et on va pas y arriver. Quelque chose, c'est comme à Raccoon City. Mais cette fois, il ne s'agit pas que d'une ville. Mais du monde entier. T'as senti sourire, la petite moue. Même si t'es le tueur de l'humanité. Oh, oh shit! Ah, ça c'est plutôt un plot twist intéressant. Oh putain, le Deus Ex Machina. Oh mon dieu. Bien joué. Mais personne ne peut plus l'arrêter. Non. Et évidemment, elle va disparaître. Ah non, elle va pas vraiment disparaître. Putain, c'est violent quand même. Putain. Ça s'est éclaté quoi. Attends, il y a encore la chance du. On va arriver voir en bas et en fait, il y aura plus rien. Il y aura juste la tache de sang. Il y a une souche différente. Attention. Il y en a deux qui manquent. Prenez ce qui reste. On va les rapporter au QG pour analyse. Et c'est Alpha Leader. Et surtout, évite de te piquer dans le bras, fils de la pute. La ville a été attaquée. C'est ça, quoi. Nous avons perdu contact avec nos agents sur place. Il nous faut du temps. On n'en a pas. Cette attaque terroriste n'était qu'à l'heure. La véritable attaque va répandre le virus. Et maintenant? Allons voir dans le hangar. On devrait trouver un avion. Oui, chef. Bon. Oui. On devrait pas arrêter le missile? Non, non, on va trouver un avion. On va lui tirer dessus. Écoute, si on était dans Just Cause, je passerais accrocher le missile avec un télégrappin de Ada. Bah oui, c'est ça. Je dois désactiver en plein vol, tu vois. Wang disait vrai. Pour le faire tomber dans la mer. Il y a un porte-avions armé en pleine mer, juste à proximité de votre position. Ah, c'est pas le même porte-avions. Les images satellites indiquent qu'il s'apprête à tirer des missiles sur la terre ferme. Vous devez absolument les empêcher de lancer le moindre missile. Bien sûr, QG. Il y a des missiles mer-terre. Oui. Terre, mer. Plutôt du terre-terre, tu vois. Terre-terre. La zone est juste devant, vite. Ah, oui, chef. Mais ça me file le mal de mer. Regarde-moi ce vieux conduit devant nous là. J'ai pas envie de rester. Attends, pour savoir. Allez. S'en fout de munitions de con là. Ah. Kev, c'est pour toi ça. Ok. C'est toi, parti. Le... On a besoin de 3 codes pour ouvrir cette porte. Ok, je sais rien faire. Alors il faut le trouver. Bon, Kev, tu t'occupes de hacker ça, d'accord. Tu as le mot de passe. Mais quand tu veux. Tu peux pas hacker juste, non? Bon, on a le premier. Je peux hacker si, uniquement si j'ai le mot de passe. Oh. Voilà. Il nous faut 3 codes pour l'ouvrir. Hackerman. Ça me coince. Ça. Ah, voilà. Ah. Non, oh, non, non. Quoi? Ah non, c'est ceux qui se. C'est ça. C'est ce qu'on appelle rouler une pelle. Yeah. Ouais. Il a bien chopé le nez quand même. Et ça, ce sont des renegados. Enfin,
Des races qu'on parlerait. On va aller bien. Attends, mais il est déjà grand. Ah, il y a plus de jeunesse, hein. T'as quand même les combats ou pas, tu crois? Ah non, moi je cours. Mais putain, mais on peut aller nulle part. Ah mais non, mais les mains, c'est une horreur quoi, les mains qui se promènent au sol. On va avoir besoin de toi ici. Bon, ils ont pas disparu, hein. Ils sont au sol. Ils se réveillent. Ils se réveillent déjà? Eh bien. J'ai pas pris ça. Ah là, putain. Okay. Oh! Évidemment, il fallait que je sois là pour que la cinématique se lance. Mais quelle est la phase? Mais c'est quoi le délire? Oh, dis-moi. C'est pas vrai, y'en a marre! Et on sort comment, nous, d'ici? Mais justement, on ne sort plus. Mec? Ouais. Attends, c'est une blague? Ben voilà. Attends, dans l'eau bouillante, c'est bon? Apparemment. Y'a pas trop tôt, on se barre d'ici. Une cuisson à feu doux et 80 degrés. Ah! Comment est-ce que tu la chopes? Un quart d'eux. Allez, c'est parti. On le fond une grosse blague! Oh oui! Non! Oh putain! Elle est une putain! Maintenant, vous couvrez ce lait avec un peu de sel de céleri. Ah oui, putain, il rampe maintenant. Un délice. Alors. Ouais. Ah, putain. Il y a un truc là, non? C'est fermé. Lock. J'entends un bruit. Ouais, c'est eux qui rampent, les rannier. Ah. Oh non, merde. Ils s'en battent les couilles des flashs, en fait. Apparemment. Non, on se casse. Vas-y, je coule arrière. Tu me dis quand c'est ouvert. Oh putain, attends, il a tapé pas mal de display, j'ai l'impression. J'arrive pas à trouver les trucs d'accès. 3000 display. Ah, j'aurai besoin de toi. 3000 display derrière. Dans le couloir. Tu l'as eu? Joli. Merci. Bon bah la musique s'est calmée. Tu l'as encore toi? Non. Pierce. Ah, pardon. Ok. Il a fait de couper finalement parce que je pensais qu'on aurait. En étant arrivé en haut, ce serait bon, tu vois. Capitaine! Oh. Ouais, gameplay non, asymétrique. On doit ouvrir cette porte, capitaine! C'est quand vous voulez! Plus qu'un seul à trouver. Mais ah, fais spam quoi. On doit ouvrir cette porte, capitaine. C'est quand vous voulez. On peut tenter. Ou pas.
Ok. Faut tenter. D'accord. Oh putain. Oh, c'est une blague. Oh les enculés. Tu l'as eu? Non. Attention. Moi j'en ai tué un. Mais ils blanchissent mais ils meurent pas quoi. Ouais ouais mais tué je veux dire, t'as compris quoi. C'est fermé de l'autre côté. Parce que les Hanehagados, ils les meurent presque jamais non plus. Enfin, voilà, peut-être. Si je me rappelle bien, René Regados, on les tuait dans le 4. Oh putain. Mais non, mais. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai une main dans mon visage. Pour les tuer dans RE4, il fallait qu'on aille des bonbons de nitrogène pas loin d'eux. Pour les briser complètement en entier, tu vois. Ah ouais, chaque fois qu'ils étaient en tissu sain, bah ils pouvaient se régénérer donc. Attends, parce que là on ne sait pas. Ah putain! Tu voudrais pas dire qu'on est perdu quand même? Et ici c'est un cul-de-sac donc. J'ai peur. Oups! Oh, putain! Par là. Ok. Ça prendra à ignorer tout le monde. Et là au bout ça mène à quoi? Ok, on a une porte. Bizarrement beaucoup trop belle. La cave ici, de l'XP. Dans la mallette. Oh. C'est pas nécessaire de faire ça sur. Sur une main. Ouais. Traitement de la moquette. Truc de premier soin ici si tu veux dans la salle de bain. J'arrive. Oh. Premier soin. Oh. Et ici on a quoi? Putain le détour de malade quoi. Ah! Mais d'où il sort lui? Il y en a un qui était entier, je l'avais pas vu. Attends, je crois qu'il faut descendre, non? Je sais pas. Ah, t'as encore été là, c'est vrai. Mon dieu, le mystère est s'épaissi. Ah et là. Une crise et Pierce. Ils essayent de résoudre le mystère. Ah. Mais ce sont des personnages secondaires. Ok, donc cette porte là s'ouvre mais toutes les autres portes ne s'ouvraient pas. Qu'est-ce que c'est que. Ah ok. Des balles ici. Qu'est-ce que c'est que le fuc? On fait tout ce tour là pour ça. Ah oui, vous êtes hyper content. Ah! Oui, merde. Oh merde! Eh! Oh chiotte! Kev! Chiotte papé! Mais je peux rien faire! Chiotte papé! Je peux rien faire! Je ne peux rien faire! Je crois qu'il me bouffe, je crois que je meurs. T'avais pas quitté? Non, non, j'ai rien eu à faire. T'es qu'une grosse merde. Mais il s'est passé quoi en fait? Tu t'as attrapé le vêtement? Capitaine? Vous donnez des naissances à vous-même, capitaine! Elle est longue cette mort! Putain, c'est relou! Oh, c'est relou! Mais écoute, la solution c'est de plus mourir, hein? Hein? Ah, mais ouais! Hein? Qu'est-ce que t'en dis? On a récupéré les trois encore? Ouais, ah, non. Bon, s'ils nous ont fait respawn là, c'est qu'apparemment c'est le bon chemin. Et franchement, on s'en fout de fouiller quoi, pour trouver 4 balles. Allez, vas-y, go. On va directement droit au but. En fait, non, il fallait fouiller toutes les chambres, mais écoute. Attends, mais... on est de retour ici, c'est une blague. Mais on a toujours pas la clé.
Attends, la clé serait pas dans une des chambres? Oui. La première là, sur la gauche. Non, elle est pas ici. C'est quoi ça? Ah, ok. Ok, elle est ici. Ah! C'est bon, on les a tous. Il y a un Rasklun Pantre qui arrive derrière moi et devant moi. C'est pas bien. Mais. Il arrête de bugger. C'est bon, on lui a fait faire 4 fois l'animation, non? Ouais, ouais. Tiens, on a tout ce qu'il nous faut, on se casse. Ouais. J'approuve. On peut pas passer par là. Ah, mais non, c'est vrai. Il faut éviter les Rasklun Pantre. Ou alors il faut avoir un micro-ondes. Ou alors il faut avoir un micro. C'était quand même trop stylé ça. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Ok. Toudou. Encore une fois. Ok. Toudou. Utiliser ouais. L'avion d'assaut. Utiliser. Ah, je crois qu'on disait un avion de chasse. Je suis. Utiliser. Oui, mais moi j'aime bien mettre les I avant les U. Quoi? Attends, parce que maintenant je ne peux pas ramasser, c'est une blague. On n'a pas le temps, les Rasklunters. Des monstres ennemis. Non, ça va. Ils sont restés I. Ça va gérer des escaliers. C'est bon, on est en sécurité. Ok, on est pas sur les gueules. Ouais, ferme ta gueule, Kevlar. Mais pourquoi il y a la lave fusion? Il y a la lave fusion dans. Pourquoi il y a la lave fusion dans un. Pas de temps à vous accorder. Non, ça fait aucun sens, ça. Cherche pas. Non, mais je sais quand même savoir, c'est un sous-marin nucléaire, un sous-marin qui marche à l'énergie thermographique. Un porte-avions déjà. Ça fait aucun sens. Aucun sens. Putain, mais il va y en avoir partout de ces trucs en fait. Ah, je pense qu'on est attesté là. Alors évidemment, l'avion on va pas pouvoir l'utiliser comme ça, va falloir d'abord ouvrir. On va démarrer. Ah non. Ta gueule. Ouais, c'est vraiment ça. C'est un avion en scénarium donc du coup. Ah, mais c'est un Hydra. Trop stylé les trucs à décollage vertical quand même. Franchement, c'est plutôt classe, on va dire. Je crois que c'est la fin du chapitre. En... On va voir, parce que c'est vrai que ça fait un piton quand même. Même pas. Ah non, Alpha. On est pas en train de jouer là. Porte-avions a été localisé. Non. Enfin, je sais pas. Le porte-avions est équipé d'armes anti-aériennes. Mec, on va devoir attaquer, je parie. Toutes, Alpha. Un avion contre un porte-avions entier, c'est absolument impossible. Allez, allez. Merde. Vous pouvez viser! Oui, je peux viser! Parfaitement, capitaine! Oh. Bah, génial! Si! Je crois! Unky Vance! Génial! You're piloting! Oups! Do a barrel! Boom! Headshot! Les préparatifs de lancement ont déjà commencé. On ne peut rien faire pour l'empêcher de notre côté. Le missile contient un virus. S'il explose, il causera des dégâts bien pires qu'un missile normal. Pour éviter ça, il faut monter sur ce porte-avions. On n'a pas le choix. Ah, c'est deux porte-avions différents. Préparez-vous, j'y vais. Oh, shit. T'es censé piloter. Qu'est-ce que tu fais? Salaud. Putain, c'est dégueulasse. Arrête, c'est sympa. Ouais, non, mais... No barrel. Je l'ai eu. Bien joué. Boum! Ada a dit qu'elle voulait étendre Raccoon City au monde. Mais nous n'avons connaissance que d'un missile. Il vole un peu bas là, non? Répondez, QG. Y a-t-il d'autres vaisseaux en mer? Négatif. RG dit. Je peux pas viser là, c'est ce que je fais. Elle ment peut-être. J'ai esquivé un missile. Pas du tout d'elle. Ouais, ça va. Excuse de j'esquive un missile, on l'a tous fait. Toutes les armes anti-aériennes sont détruites. Bien, on peut arrêter ce missile. Trouver un endroit. J'ai vu des déchets partout sur le porte-avions. Oh, c'était quoi ça? C'est pas possible. Mais... Alpha.
qu'on va pas y arriver, on le sait très bien. Le compte à bord du missile est enclenché. Trouvez l'unité de contrôle et arrêtez tout. Oh putain, mais t'as sauté de beaucoup trop haut. Bah j'ai sauté beaucoup trop haut. Frère, c'était vraiment trop chaud, frère. Comment je dois te cover, c'est ça? Ah oui, je dois te cover, génial. Et je dois aller où? Ça, c'est explosion pour toi. On dirait que le passage est bloqué. Un coup d'explosif et ça sera réglé. Heureusement qu'il y avait la manette juste à côté de moi. Hein. De quoi? Heureusement j'avais une manette d'explosif juste à côté de l'endroit où je dois faire exploser le truc. J'ai trouvé là comme ça. C'est pratique, hein. Allez, c'est bon, le petit mini-jeu. Petite cinématique sur toi. C'est pas l'escalader, faut faire le tour. Bah écoute, là on est en mode Michael Bay. Allez, allez. Tu me protèges toujours, hein, on est d'accord. Ouais, ouais, moi aussi, une attention, magnifique séance de Raichu. Je dois faire péter un deuxième truc alors qu'il y a un baril qu'il faut mettre à côté, que je peux passer pour faire le tour, mais c'est pas grave. Les ennemis, attention. Ils me disent des oh choses. Shit. Ils ont même pas le temps de tirer, c'est bon, j'ai déjà mis la bombe. Allez, c'est parti. Mais j'étais bien cover la race aussi. Allez les gars, we can do it. Pourquoi il y a un tas de... Ah, c'est pas un tas de déchets. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un tas de déchets, c'est un tas de trucs organiques en fait. Comme si on avait putain, besoin de tout ça. C'est lui. Merde, ça commence à se corser. C'est genre un cocon, mais pour les gros, quoi. Sympa. Allez, salut, hein. Bah du coup, tu comprendras que je suis un peu concentré sur autre chose que ta gueule. Allez. Tu es en train de pirater quelque chose, je crois. Plus vite, Pierce, on va manquer de temps. Ok, QTE. Les petits effets cinématiques vers toi. Et ce que tu fais. QG Alpha, lancement du missile annulé. Très bien, Pierce. Revenez à l'avion pour qu'on puisse se tirer d'ici. Bien sûr. Pierce, allez à la grue, je vous rejoins. Je crois qu'il va falloir que je te fasse gagner du temps, c'est ça? Oh putain. Allez, capitaine, le combat est pas très équilibré. Un coup de main. Pas de mon plan. Allez! Capitaine! Laissez pas là! Ouais, ouais. C'est beaucoup de chance parce que sinon c'était l'océan, mon gars. Ah. QG Alpha, on a une urgence! Le missile va bientôt être lancé! C'est débile. Putain, comment est-ce que c'est? C'est Ada! Elle savait ce qu'on allait faire! On n'a plus le temps, Alpha! Vous êtes autorisé à détruire le missile! Bordel, détruis il est missile. Dans le passage! Pierce, détruisez ces missiles! Mais... Non. Il est resté 20 secondes, c'est nul. Ouais. Ah bah ouais, c'était obligé qu'on rate, hein. Ou est-ce que sinon on serait pas été raccord à l'histoire de Léon? Il va vers la ville! Hey, c'est bien. Ça aurait pu être un autre, tu vois, dans un autre endroit. On aurait pu au moins réussir celui-là et genre sauver une ville ou quoi, mais non, là, c'est comme si on avait rien fait. C'est de la grosse merde. Il restait 20 secondes, j'ai en train de le marquer depuis une demi-heure déjà. Barrez-vous d'ici! Ah, déjà vu cette cinématique-là. Je suis un zombie japonais maintenant. La Chine, pardon. C'est quand même stylé comme effet. Hein. Ouais, ouais, la petite cinématique est vraiment cool. Bon, je sais pas si je l'aurais fait aussi stylé, si c'est nécessaire ou pas, je sais pas, mais. En tout cas, c'est classe. Par contre. Ça fait son effet. Voilà. Ils vont nous ressortir toute la cinématique en entier. Ça, c'est chiant. On pourrait quand même proposer autre chose. Si tu commences par Chris et Pierce, tu vois. Tu t'as jamais vu ça du coup, techniquement. De quoi? Si tu fais avec Chris et Pierce, techniquement t'as jamais vu ça, mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire une team. Ouais, mais bon, frère. T'es pas censé choisir ton personnage préféré, t'es censé tous les faire, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Oui, ok, Dying Light. Excellent. Mon dieu! Soyez surpris! Soyez surpris, laissez un pouce bleu!
Faites comme si vous ne l'aviez jamais vu. Ce n'est pas du tout des réutilisations d'images. Arrêtez. Arrêtez tout. Bah techniquement, s'ils ont l'épisode 3 mois après celui où on voit celui-là... T'as un souvenir. Vous n'avez rien vu. Tcha. Par contre... Et vraiment, la séquence en Humvee et la séquence en avion, c'est ça cool. C'est pas un truc ultra bien codé, etc. Mais... Ça bah, ça a le mérite d'exister, quoi. Voilà. Ah, il leur faut des câlins. Ah. Il est un peu violent pour ce câlin-là, par contre. On a eu le temps de voir ça en avion, hein. Bien sûr. Tu sauves deux otages sur un champ pétrolifère sous-marin. L'agent Sherry Birkin et Jake Muller. Wesker. Chris, il a les anticorps du virus C. Bien reçu. J'y vais. Ok, merci. Léon, attends. Faut que je te dise quelque chose. Ada Wong est morte. Ada Wong est morte. Putain, je me rappelle des dialogues, quoi. Oh, Elena. Okay. Putain, Elena. Tu l'entends. Et Chiri et Jake, c'est primordial. Alors, par contre, bon, du coup, l'avion pour aller jusqu'au champion de le faire à 100 km d'ici, ok, pourquoi pas, c'est sympa. Ah, voilà. Le rang S tous les deux, frère. Oh, oh là là. Oh là là, une première. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. En même temps, quelle mission de merde, quoi, enfin... T'as vu, niveau ennemi et précision, on aime pareil, cette fois. Ouais. Je suis complètement supérieur à toi, quoi. Ouais, t'es mort. Mort une fois, donc ça rebalance. Et bien voilà, c'est plutôt sympathique. Mais bon, du coup, ce que je me demandais, c'est qui tue Ada Bleu. Parce que t'as. Bah, Ada Bleu, c'est l'hélicoptère de Simon. Tu sais, là, quand Simon était sur le train, il y avait un hélico qui nous suivait. Et à un moment, quand Simon se transforme, ils ont dit, ils disaient laissez-le là, et t'as Simon qui crie non, ma famille m'abandonne. Ah ouais? Ouais, et en fait, bah, c'est un hélico comme ça avec des hommes à lunettes. Donc ça a bien l'air d'être eux, quoi. Je sais pas si c'est le même hélico, mais c'est la même agence, c'est sûr. Donc ce serait bêtement Simon qui tue Ada Bleu. C'est pour ça qu'elle dit il m'a bien eu. Ouais, d'accord. Tout cool. Comme twist. Et du coup, elle est rouge, elle était sur le pantalon quand on l'a fait péter aussi, donc... elle a sûrement réussi à trouver un moyen de s'en sortir. Ada rouge. Elle, bah oui, c'est ça, c'est la question que j'allais poser, c'est what the fuck avec elle, parce que du coup... elles étaient toutes les deux là, mais il n'y en a qu'une, enfin je... Et au final, j'ai pas compris non plus pourquoi elle était là, elle, au final. C'était quoi son but d'être là? Et sans voilà. Question sans réponse. Moi j'ai pas besoin de compétences, moi donc. Ouais, non, moi c'est pareil. Ben, on coupe l'épisode ici du on coup, parce qu'après ça va lancer notre cinématique. Bah oui. Allez. Moi j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter. Et surtout, partager. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau, le si partage. Vous ne le faites pas, important c'est de partager. Allez, salut à tous. Salut, ouais. Ciao.